Vous êtes sur RTL. Une minute qui peut tout changer. Notre coach bien-être, elle est là. C'est toujours un plaisir de l'avoir. Bonjour Juliette Dumas. Bonjour Agnès et bonjour à tous. Ce matin, vous nous invitez à nous régénérer. Oui Agnès, est-ce que vous pratiquez la sylvothérapie? Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une thérapie très répandue, surtout au Japon et en France de plus en plus, qui consiste à puiser dans les arbres leur force pour se redonner à soi-même de l'énergie. Elle est étudiée et validée par de nombreux chercheurs scientifiques. Ah bah alors je vois ce que c'est, mais alors je ne savais absolument pas qu'on l'appelait comme ça. On fait comment ? Allez vous promener en forêt, dans un parc ou dans un jardin. Prenez le temps de trouver l'arbre qui vous plaît. Ensuite, regardez-le. Faites attention à tous les détails, l'écorce, la sève, la largeur du tronc, les racines. Puis, approchez-vous de lui. Mettez votre joue ou votre front contre son tronc. S'il a des grosses racines apparentes, mettez vos pieds dessus. Et puis, enlacez-le, oui, tout simplement, comme si vous lui faisiez un câlin. Respirez, inspirez et profitez du moment. Vous n'imaginez pas à quel point les arbres ont un pouvoir relaxant et revitalisant. Il est prouvé qu'ils ont des bénéfices très positifs sur nous, notamment sur le stress et l'anxiété. C'est un retour à la nature, en fait. Oui, c'est une manière naturelle de se régénérer. Une pause bien-être dans un monde de brut. Alors moi, je n'aime que les cocotiers, mais j'ai appris que c'est une plante. Alors j'ai trouvé une autre idée. Un grand chêne dans la forêt à côté de chez moi. Son symbole, c'est la force. Oui, chers auditeurs, chaque arbre a une vertu particulière. Le saule console, le bouleau apporte de la légèreté. Il y a même des arbres guérisseurs. Wow. Je peux vous dire que vous n'allez plus jamais regarder un arbre de la même manière. Voilà une minute qui peut tout changer.